J'ai commencé le tennis, j'avais 5 ans, voilà, dans un petit club près de chez moi, en Dordogne. Puis j'ai commencé mes premières compétitions, j'avais 8 ans. J'ai été détectée vers 10-11 ans, j'ai commencé un sport-études à 13 ans, je suis partie de chez moi du coup pour aller à Périgueux, donc pareil en Dordogne, faire un sport-études dans un club pendant jusqu'à mes 20 ans. Et du coup à 21 ans, je suis arrivée ici, à La Roche. Je suis pas installée ici, je suis toujours en Dordogne par contre. Je loge toujours à Périgueux, je m'entraîne toujours là-bas, mais mon club est ici depuis 6-7 ans. On m'a proposé, quand j'ai eu 13 ans, d'intégrer un sport-études. Mes parents m'ont réellement laissé le choix, ils ne m'ont pas dit non ou oui. Et c'est moi qui ai voulu faire ça. Et à partir de là, ouais, les résultats ont commencé à arriver. Le classement a grimpé, a un peu à rattraper les autres. Donc voilà. J'ai un gros service, donc je m'appuie beaucoup dessus, surtout sur une surface comme ça. Après, je suis quelqu'un qui agresse beaucoup, je suis pas du genre à rester au fond, à renvoyer la balle, on va dire. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est agressif. Après, on va dire mes points faibles, ça va être plus de la régularité dans les points et ouais, voilà. Elle peut varier, elle sert très bien, elle peut monter à la volée. Elle peut chipper un petit peu, à coup fort aussi ses amortis. Donc voilà, pour l'équipe adverse, de frapper fort et de temps en temps glisser une amortie, voilà, c'est un peu l'incertitude pour les autres. Et je trouve que par rapport à avant, elle s'est assagie. Elle a peut-être mûri, on va dire, encore avec les années qui passent. Je la trouve assez plus posée qu'avant. Mais elle joue vraiment très bien, voilà. Bon état d'esprit sur le terrain, elle lâche rien. Elle sert très bien aussi également, elle envoie. Mais au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'elle a passé un palier de ce côté-là. Quoi. C'est quelque chose que je travaille, je n'ai pas énormément travaillé, mais que je développe beaucoup plus ces derniers temps en tout cas, et qui m'aide énormément. Je suis une folle furieuse, on va pas se mentir, non, j'ai un gros caractère et c'est vrai que il peut me porter énormément de défauts. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un pour essayer de canaliser tout ça et tout ce qui se passe là-haut, quoi. On s'entraîne tous les jours, de toute façon, voilà, comme quelqu'un qui va au boulot tous les jours. Après, on a nos compétitions. Donc, on jongle avec ça. Suivant les périodes de l'année, on a plus ou moins de tournois. Là, en ce moment, on va rentrer plus dans une préparation foncière parce qu'il y a moins de tournois, puis il y a les fêtes aussi. Et la saison va reprendre vraiment mi-janvier. Donc là, ça va être beaucoup, beaucoup d'entraînement et la compétition. De toute façon, si on a envie, on peut faire des tournois toutes les semaines. Mais c'est définir un programme et s'entraîner en fonction de ça. J'ai eu Roland, voilà, quand j'ai eu ma wildcard tableau déjà. Donc ça, c'était un bel événement marquant. Après, aussi de mes beaux souvenirs, ça pareil, ça restera Roland. C'est la première fois que j'y suis allée pour le tournoi en qualif où je gagne mon premier tour. Donc ça, c'était un bel événement aussi. Une grosse victoire, ça a été en match par équipe où j'avais gagné Buzarnescu, mais qui était à l'époque 24e mondial. Donc c'était une belle victoire et ma plus belle victoire.
C'est un peu grâce à Mallory que je suis venue ici. On s'était rencontrés d'ailleurs avec mon ancien club et le TY en match par équipe. Et moi, j'avais aussi besoin de changement. Et j'ai eu l'opportunité de venir ici et de jouer dans un club où la division était amplement plus haute. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Toute l'équipe, on se connaît, on se retrouve presque tout le temps sur les autres tournois le reste de l'année. Donc on a déjà un lien. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend aussi bien quand il y a les matchs par équipe. On arrive aussi à un niveau où on joue que des bonnes joueuses, donc forcément c'est toujours des matchs intéressants. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on est une équipe entièrement de françaises. Et on est, je pense, la seule équipe où on n'a que des françaises aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai toujours beaucoup aimé Serena Williams, j'aime beaucoup comme joueuse. Après en garçon, oui, à Federer, où j'ai toujours adoré le personnage. J'aimerais remonter dans le top 300 assez rapidement, en tout cas. Voilà, c'est mon objectif à très court terme. Déjà, ça permet d'accéder à des tableaux finaux de pas mal de gros tournois, on va dire. Là, actuellement, avec mon classement, c'est compliqué, c'est toujours un peu l'entre-deux.